Salut les givrés, c'est Lune de Givre et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être enfin le saviez-vous numéro 6. Donc, je pense que c'est la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi ça fait très longtemps qu'il n'y a plus de le saviez-vous sur la chaîne. Bah, j'ai pas trop d'excuses, mais je pense que j'ai quelques petites raisons qui ont fait que j'ai un petit peu oublié entre guillemets les le saviez-vous. En fait, c'est que je pense que vous l'avez vu, mais sur la chaîne, j'ai eu beaucoup plus de projets en ce moment, comme la traduction du dessin animé de BokBokShoy, qui est vraiment un des plus gros projets que j'ai fait. Il y a eu aussi les LGDC News, qui est un nouveau concept, enfin du coup une nouvelle série que je ferai. Il y a eu aussi le Let's Play que j'ai fait, il y a aussi d'autres petites vidéos à part, comme les révélations du site officiel, des trucs comme ça. Il y a eu aussi les résultats du casting, enfin pardon, les résultats du concours de dessin fiction. D'ailleurs, il faudrait que je fasse les résultats pour les trois premiers. D'ailleurs, ne pensez pas que j'ai oublié. Je vais les faire un jour, c'est juste que ça prend beaucoup de temps, parce que déjà j'ai pas de téléphone pour la vidéo de Poussière d'Étoiles. Pour Ninon, j'ai plus de téléphone donc je peux plus la contacter. Et du coup pour V Crazy, je sais pas encore ce qu'elle veut, donc voilà. Donc je suis un petit peu bloquée pour ça, donc ça arrivera un jour, mais pas maintenant. Voilà. Et aussi c'est que le format des Le Saviez-Vous me convenait plus. Parce que les Le Saviez-Vous en général ça durait entre 5 et 7 minutes max. Et du coup ça me convenait plus parce que je pense que vous l'avez vu, mais je fais des vidéos beaucoup plus longues maintenant. Je crois que mes vidéos font entre 10, 15, voire 20 minutes du coup en moyenne. Du coup c'est beaucoup plus long que les vidéos que je faisais avant. Bah, c'est parce que le format de 5 minutes me convient plus. J'aime vraiment beaucoup faire du montage et du coup faire des vidéos de 15 minutes, ça me permet vraiment de faire beaucoup plus de montage et j'aime vraiment beaucoup faire des vidéos de ce format là. En plus je vous sors une vidéo par semaine, donc autant faire une grosse vidéo toutes les semaines que quelques petites vidéos de même pas 30 secondes. Du coup toutes les deux semaines ou toutes les semaines, vraiment je trouve que c'est un petit peu raide. Hein. Voilà. Du coup je me suis dit bah au lieu de du coup faire 15 informations, on va en faire 35. Comme ça, ça va rattraper un peu le retard qu'il y a eu entre le saviez-vous 5 et 6. Et puis comme ça, ça va pouvoir faire un format qui me convient beaucoup plus. Voilà. Donc je vous mettrai un petit sondage, comme ça vous pourrez me dire combien d'informations vous conviendrait le plus. Donc je mettrai à partir de 20, donc 20, 25, 30, 35 et 40, même 45. En tout cas, je vais voir. Du coup, je vous laisse voter à ce sondage, comme ça je pourrai voir, et du coup je pourrai faire des vidéos qui vous conviennent le plus et qui me conviennent le plus. Voilà, comme ça tout le monde est content, c'est super. Et du coup, bah, je pense qu'on va commencer tout de suite. Et du coup, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas dit. Mais sur ce, on va commencer avec l'info numéro 1. Les chats de la forêt sombre peuvent donner des vies aux chats du coup des clans, comme les chats du clan des étoiles. Sauf que du coup, ils ne le font pas. Je pense que c'est... Parce que je pense que vous voyez, dans la forêt sombre, c'est vraiment un truc de trahison. Vraiment, tout le monde vit seul et tout. Du coup, je pense que comme ils n'ont pas assez confiance pour... ils n'ont pas assez confiance l'un l'autre, du coup, avec les autres chats de la forêt sombre. Et ils n'ont pas assez confiance dans dans les chats des clans. Et ben du coup, ils donnent pas de vie. Voilà, mais ils peuvent le faire. Information numéro 2. Le nom de guerrier d'étoiles de sapin était Cœur de Sapin. Info numéro 3. La seule raison pour laquelle Étoile du Tigre haït tellement Étoile de Feu est qu'il a le même regard que son père, Étoile de Sapin, et qu'Étoile du Tigre déteste son père pour l'avoir abandonné et être devenu un chat domestique, du coup même à cause du père d'Étoile de Feu qui est Caramel. Et Étoile de Feu a aussi le même préfixe que le père d'Étoile du Tigre, Étoile de Sapin, du coup qui est Cœur, pour Cœur de Feu et Cœur de Sapin. Vous avez vu, c'est le même mot. Et du coup, ça l'a rendu encore beaucoup plus furieux. Info numéro 4. Dans la série, il existe en tout deux chats possédant le mot loup dans leur nom de guerrier. Il s'agit de Pas de Loup, donc en anglais Wolf Step, qui est un chat du clan de l'ombre, et Cœur de Loup, donc en anglais Wolf Heart, et du coup qui est un chat qui n'a pas reçu de traduction, même je crois que c'est une chatte qui n'a pas encore reçu de traduction en français. Voilà. Du coup, beaucoup disent que loup ça passe pas trop dans LGDC, mais on a la preuve qu'on peut bien l'utiliser. N'allez pas dire ça aux fictions, sinon je pense qu'elle va faire une petite crise. Voilà. Bref, passons à l'info numéro 5. Les chats de clans qui rejoignent le clan des étoiles et qui ont été blessés peuvent choisir s'ils veulent garder leurs blessures ou non. Par exemple, Étoile Balafrée, qui a rejoint le clan des étoiles, a décidé de garder du coup sa blessure à la mâchoire.
parce qu'il pensait que ça faisait partie de lui-même, etc. Mais il y a des chats comme Longplume, qui, par exemple, Longplume, il est devenu aveugle entre le cycle 1 et 2, parce qu'il s'est fait griffer par un lapin qui avait des griffes sales, et du coup, ça s'est infecté, et du coup, il est devenu aveugle. Et du coup, quand Longplume a rejoint le clan des étoiles, il a choisi d'enlever cette blessure-là. Donc vraiment, les chats ont le choix d'enlever leur blessure ou non. Ensuite, info numéro 6. Dans l'épreuve d'étoiles de ronce, Feuille de Lune et Poil d'écureuil ont 5 ans tout pile. Info numéro 7. Dans toute la série, il y a à peu près 1290 chats au total. Oui, c'est énorme. Info numéro 8. Le pseudo de Kate Carey, qui est l'une des Erines, est Cake Star, donc en français, étoile de gâteau. Info numéro 9. Étoile Bleue a nommé son fils Pelage de Silex en l'honneur de son mentor qui a été Pelage de Pierre, donc en anglais Stone Pelt. Et du coup, pour Pelage de Silex, son nom c'est Stone Fur. Donc du coup, la référence marche grâce du coup au préfixe qui est Stone. Sauf que du coup, en français, ça ne marche pas trop parce que c'est Pelage de Silex et Pelage de Pierre. Donc Silex et Pierre, c'est pas le même mot. Sauf que du coup, on peut un petit peu gruger et on peut dire que ça marche avec le mot Pelage, car ils ont du coup le même préfixe de guerrier qui est Pelage pour Pelage de Silex et Pelage de Pierre. Après, je sais pas si ça a été fait volontairement ou pas, mais on peut dire ça. Voilà. Et du coup, si ça n'a pas été fait volontairement, quand même, c'est une sacrée coïncidence. Info numéro 10. Feuille de Lune est la guérisseuse qui a eu le plus d'apprentis au total, soit 3, donc avec Œil de Jet, Feuille de Houx et Alderheart, donc en français Cœur d'Aulne. Et oui, Feuille de Houx compte, même si elle n'est pas devenue guérisseuse, elle était quand même l'apprentie de Feuille de Lune, donc ça compte, voilà. Vous avez tort, j'ai toujours raison, d'accord? C'est moi qui ai raison, vous avez tort, voilà. Ensuite, info numéro 11, je vous préviens tout de suite, celle-ci est incroyable. Donc, les trois enfants de Feuille de Lune, donc Œil de Jet, Pelage de Lion et Feuille de Houx, ressemblent tous à un amour de Plume de Jet. Donc, Œil de Jet fait référence à Jolie Plume, Feuille de Houx fait référence à Belle de Nuit, et Pelage de Lion fait référence à Feuille de Lune. Oui, c'est dingue, et oui, je sais aussi que c'est une sorte de petite théorie, mais je trouve qu'elle avait plus sa place, dans un Le Saviez-Vous. Ensuite, information numéro 12. La théorie comme quoi Pelage de Granit est le père de Feuille de Lys et d'Aile de Colombe, du coup, a été prouvée par les Erines comme étant fausse. Pour ceux qui ne connaissaient pas cette théorie, c'était une théorie qui disait que comme Bois de Frêne ne ressemblait pas du tout à Feuille de Lys et Aile de Colombe, du coup les fans ont dit « Ah ouais oui, mais comme ça ressemble pas du tout à Bois de Frêne, c'est sûr que leur père, et ben en fait c'est pas Bois de Frêne, mais c'est Pelage de Granit, parce qu'il ressemble beaucoup plus à Feuille de Lys, qui est toute grise et tigrée, et même à Aile de Colombe qui est vraiment grise, et qui a les yeux verts comme la sœur de Pelage de Granit, qui est Fleur de Bruyère. » T'as vu, ça se ressemble beaucoup, et du coup c'est sûr que Pelage de Granit, et ben c'est le vrai père de Fleur de Lys et d'Aile de Colombe. En plus dans le cycle 2, et ben le blanc et Pelage de Granit, ils sont vraiment très proches, du coup c'est sûr que c'est ça. Et ben non, en fait du coup ça a été démenti par les Erines, donc t'as tort. Et oui, encore une fois, j'ai toujours raison. Ensuite, information numéro 13. Plume de Jet rejette autant Belle de Nuit et Pelage de Prume, car il avait peur d'oublier Jolie Plume et Feuille de Lune, du coup, qui étaient du coup ses deux premiers amours. Voilà. Ensuite, information numéro 14. Étoile du Tigre a vraiment été très très prudent avec ses chatons et a pris beaucoup de distance avec eux car il ne savait pas vraiment comment faire pour être du coup un bon père et il savait aussi qu'il était un monstre et du coup qu'il ne voulait pas que ça se transmette à ses petits. Forcément, je pense que tu n'as pas envie que tes petits deviennent des sanguinaires, des terroristes et qui complotent contre leur chef. Je pense que c'est pas super sympa pour des chatons. Donc voilà. Ensuite, information numéro 15. La dernière chose que Poil de Souris a vue avant de mourir était Longplume, fort et en pleine forme. Elle est donc morte en paix. Une mort si belle pour un personnage si nul que tout le monde a oublié et que tout le monde s'en fout. Yes! J'ai toujours raison. Vous aimez pas Poil de Souris. J'ai toujours raison. Ensuite, info numéro 16. Quand Noix de Muscade, donc en anglais Nutmeg, la mère d'étoile de feu, était en train de l'allaiter, elle a eu une vision de lui sur le promontoire. Alors ne me demandez pas pourquoi un chat domestique aurait une vision des clans, et encore plus de son petit chaton devenant chef, j'en sais que dalle. Voilà, je ne suis pas les Erines, je ne suis pas dans leur tête, je n'ai pas écrit cette information, je l'ai juste traduite, donc ne me demandez pas. Voilà, c'est la magie du script, la magie du scénario.
Ensuite, information numéro 17. Feu et Dehou avaient peur que le clan du tonnerre retrouve Sol, car elle pensait que celui-ci l'avait vu tuer Pelage du Granit, et que du coup, si les clans retrouvaient Sol, eh bien du coup, que celui-ci révélerait tout, et que du coup, Feu et Dehou serait banni, etc., etc. Ensuite, information numéro 18. Dans les livres, il est écrit parfois que les chats haussent les épaules, alors que c'est impossible, parce qu'ils n'ont pas de clavicule dans leurs ossements, donc ce n'est pas possible. Et il y a aussi des fois mentionné qu'ils ont des sourcils, sauf que, encore une fois, c'est pas possible. Mais on ne juge pas, d'accord? On ne juge pas. Est-ce que t'as déjà essayé d'écrire plus de 70 livres uniquement avec des personnages qui sont des chats? Non, tu n'as pas essayé et tu n'as pas réussi. Alors, des fois, t'arrêtes un petit peu de juger, parce que déjà, c'est plutôt fort, hein? C'est plutôt très 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 fort. Et en plus, eh ben, ils font passer des méchances. Et en plus, quand tu dis que hausser les épaules, c'est pour dire que tu sais pas, donc c'est une expression. Et en plus, pour les sourcils, c'est pour dire que tu hausses les sourcils aussi. Donc c'est aussi pour dire que c'est une expression. Voilà, donc t'arrêtes de juger maintenant, et puis tu te calmes. Voilà, donc c'est moi qui ai raison. Et encore une fois, c'est toi qui as tort, parce que moi, je suis forte, toi, t'es nul. Voilà. Non, c'est vrai, c'est pas vrai. Vous êtes très fort. Mais il faut pas juger, faut pas juger. Ensuite, information numéro 19. Tous les guérisseuses et guérisseurs après longue moustache dans le clan du tonnerre ont tous aimé un autre chat, ou ont tous une compagnon ou une compagne. Par exemple, Petite Feuille, elle est amoureuse d'Étoile de Feu, Croc Jaune est amoureuse d'Étoile Grise, et même Étoile Grise est son compagnon, et même elle a un fils qui, spoiler, deviendra un terroriste. Muson Cendré a aimé Étoile de Feu, Feuille de Lune a aimé Plume de Jet, et spoiler, elle a eu des chatons. Et spoiler, c'est deux de ces chatons qui sont les élus d'une prophétie. Et spoiler, cette prophétie, et ben... Qu'est-ce qu'elle fait la prophétie? Elle fait que dalle, et ouais, super. Et ensuite, Œil de Jet qui a aimé Demi-Lune, et ensuite, Alderheart, donc Cœur d'Aulne en français, a aimé Needletail, donc en français, Plume aiguisée. Bah voilà, c'est déjà fini, c'était plutôt rapide. Ensuite, information numéro 20. Au départ, Étoile de Feu voulait que le mentor de Bois de Frêne soit Griffe de Ronce, et non Pelage de Granit, et je ne sais pas pourquoi. Information numéro 21. Après que les clans aient quitté la forêt, Sacha a trouvé un vieux bipède et est parti vivre avec lui. Qui s'en fout ? Je lève la main. Information numéro 22. Dans la version allemande, du coup, de la guerre des clans, Étoile Balafré ne devient pas Étoile Balafré comme on le connaît, enfin si, mais c'est juste qu'il n'a pas la même traduction. Du coup, en allemand, c'est Étoile Rayée ou Étoile de Rayure, donc en anglais, Stripe Star. Info numéro 23, je sais plus compter. Étoile de Feu a toujours regretté de ne pas avoir eu de fils, et Tempête de Sable a toujours regretté de ne pas avoir eu plus d'enfants. Pourquoi? Juste pourquoi? C'est débile. Juste débile, non? Enfin, je trouve. Enfin, voilà. Bref, on va pas juger Étoile de Feu et Tempête de Sable. Information numéro 24. Si Millie devait avoir un nom de guerrière, ça aurait été Pelage de Saule, donc Willow Fur. Du coup, moi, je trouve personnellement que Willow, ça ressemble à Millie. Après, vous dites ce que vous voulez. Ou Aile d'Argent, pour bien faire plaisir à Plume Grise, parce que ça fait référence à Rivière d'Argent. Voilà. Merci, Plume Grise. T'es un super perso et t'es super cool en plus. Ensuite, information numéro 25. Pelage de Lion a toujours pensé qu'Œil de Myosotis était plus gentil que Cœur Cendré, mais beaucoup plus chiante. Arrêtez, c'est vrai, Œil de Myosotis, elle est grave chiante en vrai. Arrêtez, c'est la vérité. C'est la vérité. Ensuite, information numéro 26. La proie favorite d'Étoile de Feu est le campagnol. Information numéro 27. Toutes les routes présentes sur la carte entre le lac et la forêt sont de vraies routes présentes en Angleterre. Donc moi je trouve que c'est un détail plutôt sympa, et même c'est très très fort aux Erin d'avoir vraiment recréé un vrai environnement, enfin du coup avoir vraiment refait un truc réel. Moi je trouve que c'est super cool. Donc voilà, donc si vous passez en Angleterre, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, peut-être que vous verrez Étoile de Feu, enfin vous ne verrez sûrement pas Étoile de Feu puisqu'il est mort. Oups, j'ai spoilé le cycle 4, zut. Mais du coup vous verrez sûrement des chats de clan, si vous avez un petit peu de bol. Ensuite, information numéro 28. Batte de Brume savait que Lac de Givre n'était pas sa vraie mère, et elle a toujours essayé de se souvenir le jour où Étoile Bleue les a abandonnés,
parce qu'elle avait des petits flashbacks en fait. Elle voyait genre la neige, elle voyait Cœur de Chêne, enfin elle avait des petits flashbacks, mais elle arrivait jamais à se souvenir la chatte qui la portait et qui était Étoile Bleue. Voilà, du coup elle savait que le givre n'était pas sa vraie mère. Voilà. Ensuite, information numéro 29. Les chats de la tribu ont un accent du coup en français qui se rapprocherait de l'accent belge ou l'accent québécois. Du coup en anglais c'est l'accent du Pays de Galles, mais du coup je sais pas vraiment ce que ça peut donner du coup en français. Du coup je pense que c'est plus un accent du type québécois ou belge, même si ça ne se ressemble pas du tout, on est d'accord. Mais du coup je pense qu'ils auraient un accent qui se rapprocherait d'un des deux, voilà. Ensuite, information numéro 30. Au début, Poil de Châtaigne devait être la compagne de Cœur d'Épine, mais du coup les Irines ont changé du coup pile au dernier moment. Retournement de situation. Et du coup, Poil de Châtaigne est devenue la compagne de Poil de Fougère, même si celui-ci a un an de plus qu'elle. Yes! Wouhou! Le fun! Ensuite, information numéro 31. La majorité des chats du clan de la rivière sont des Maine Coon, donc c'est une espèce de chat qui a le poil vraiment très très long et qui est originaire des États-Unis. Ensuite, information numéro 32. Crojaune est une chatte persian, donc pour ceux qui connaissent, c'est comme le chat qui s'appelle Jumbo, qui est le chat de Squeezie. Et du coup, ça signifie que Crojaune a très 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 probablement du sang de chat domestique, car la majorité des persians sont chats domestiques. Enfin, du coup, son nez chat domestique et vraiment sont des chats domestiques, voilà. En plus, c'est très 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 bizarre parce que Crojaune, je crois que c'est la seule persian de la série, donc c'est assez étrange. Ça mériterait peut-être une théorie. Après, je dis rien, faudrait que j'y réfléchisse, mais je dis rien. Bref, information numéro 33. Étoile Brisée faisait devenir des chatons à, du coup, il baptisait les chatons en apprentis à l'âge de 2 lunes et les apprentis en guerriers à l'âge de 4 lunes. Donc je pense que tout le monde savait qu'Étoile Brisée était un terroriste et qu'il faisait devenir des chatons un apprenti très tôt et des apprentis en guerrier très tôt. Mais vous ne saviez pas que c'était à 2 lunes et 4 lunes. Clin d'œil. Allez, passons à l'information numéro 34. L'une des raisons pour lesquelles les Irines ont décidé de faire mourir le personnage de Fleur de Bruyère dans le cycle 4 est que les fans, pas tous mais vraiment beaucoup de fans, détestaient le personnage car elle avait vraiment beaucoup trop de portée avec pelage de poussière et qu'elle avait eu vraiment beaucoup trop de chatons et du coup ils trouvaient ça abusé et du coup ils voulaient vraiment faire mourir le personnage. Alors pourquoi vous disiez ça? Moi j'aimais bien Fleur de Bruyère, elle était très gentille et en plus elle avait un physique très innovant et vraiment très très cool. Vous êtes pas gentil, moi j'aimais bien Fleur de Bruyère. Pourquoi vous l'avez tué? Ça se fait pas, je suis pas d'accord. En plus, ça se fait pas que les fans ils puissent influencer la série comme ça. Moi je suis pas d'accord. Moi j'aimais bien Fleur de Bruyère. Vas-y, je vais faire une pétition, hein. Je vais faire ressusciter les gens. Bref, arrêtons le chialer. Et du coup, passons à la dernière info qui est l'info numéro 35. Sol pensait que le clan des étoiles vivait sous les eaux du lac. Parce que la toison argentée se reflétait dans l'eau et du coup il pensait que les chats vivaient sous l'eau. Bravo Sol, c'est vraiment très très intelligent de ta part, vraiment super intelligent. Bon bref, du coup c'est tout pour ce Le Saviez-Vous numéro 6. J'espère que vous avez beaucoup... j'espère que vous kiffez le retour des Le Saviez-Vous. Je vais essayer d'en refaire, peut-être pas tous les mois, peut-être pas tous les deux mois. Je vais essayer en tout cas d'en refaire, mais pas tout le temps. Voilà. Aussi, j'espère que vous avez apprécié les petits commentaires que j'ai fait à peu près sur toutes les informations. Moi, je trouvais que ça a rajouté du petit peps dans la vidéo, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dessus. J'essaierai de faire ça sur les autres Le Saviez-Vous si ça vous plaît bien. Et du coup voilà, encore une fois n'hésitez pas à voter au sondage, c'est vraiment très très important pour le développement de la chaîne. Et du coup je crois que je n'ai plus rien à dire, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin, c'était Lune de Givre et sur ce je vous dis à la prochaine assemblée des guerriers.